Madame, monsieur, je suis heureux de pouvoir partager avec vous cette bonne nouvelle qui nous est arrivée de l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Depuis hier, les juges ont rendu leur avis, leur conclusion concernant un contentieux qui était né en 2010 d'un acte signé en 2007 et qui concernait la patinoire, l'ex-patinoire qui a fait tant la grandeur de Béthune. En 2013, la ville a été condamnée en première instance à verser pratiquement 8 millions de dommages intérêts. Aujourd'hui, par ce jugement équitable, chacune des parties a été reconnue dans sa propre responsabilité. La ville de Béthune devra verser 400 000 euros, mais loin des 13 millions d'euros réclamés par la partie adverse, pour laquelle il nous faudra entamer aujourd'hui une discussion constructive, un dialogue compétitif, de manière à discuter de l'avenir de cette friche. Au-delà du contentieux qui s'est éloigné, du péril financier qui était lié à ce contentieux, il nous faut maintenir le cap d'une gestion saine et il nous faut surtout réembellir l'ensemble de notre patrimoine, notre commune, et surtout mener à leur terme des projets porteurs d'emploi. Je tiens à remercier ensemble mon groupe majoritaire des conseils qui nous ont accompagnés tout au long de ce procès, notre stratégie pour présenter des arguments et surtout défendre les intérêts de la ville ont été payants. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons nous tourner résolument vers l'avenir. Merci pour votre confiance. Nous continuerons à faire avancer Béthune pour être bien notre ville et bien notre vie.